Échec de collab. Épique Boxing Marseille contre Jeco. Yo petit branleur, ah, j'arrive en mode Furax. J'ai mis mes enfants et ma femme au grenier. Grave Furax. Attention, ça va mal se passer. Bande de petits merdeux, de petits branleurs. Ah, Furax. Marseille, truand de la galère. Cliquez, bande de salopes. Clignancourt, lol. Je vais te clasher. Parce que je suis un truand de la cité et toi, un petit merde. Vas-y, viens me clasher maintenant. EA Sports. It's in the game. THQ.
Et si t'as aimé la vidéo, alors mets un pouce bleu ma couille. Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, ce triceratops sont en voie de disparition. Oui, je passe en mode Furax, Furax. Furax, pourquoi? Furax, pourquoi? Pour Furax, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, tout simplement parce que je tiens à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, attention, 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 attention. Ce mode Furax ne s'adresse pas à mes abonnés qui sont sympas, gentils, voilà, plein d'attention, qui me mettent des messages vraiment sympas, constructifs, et qui m'aident aussi souvent en message privé, qui me donnent des sujets très intéressants parfois pour mes fast-teams ou d'autres idées. Eh bien, tous ces abonnés, je les embrasse bien fort, merci de me suivre, bien évidemment. Non, je m'adresse au 0,001%, c'est-à-dire une minorité de petits merdeux, de petits branleurs, et attention, c'est du Peggy 18, voilà, donc interdit aux moins de 18. Si vous êtes choqués, changez de chaîne, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de vidéos sur YouTube, du vent, du balai. Et puis je m'adresse également particulièrement, yeux dans les yeux, regardez, je suis pas rasé, je ne suis pas coiffé, à rien du tout, aux petits qui m'adresse des messages et qui voudrait m'intimider en DDoS. En DDoS. J'ai des personnes qualifiées proches qui se chargent de vous, mes petits. Je vous ai tous à l'œil. Et du DDoS, on vous renvoie la petite baballe. Je vous l'ai dit d'ailleurs sur Twitter. Donc arrêtez vos petites conneries, parce que ça va aller super loin, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ces gens-là qui s'amusent derrière un petit écran et quand ils me verront dans un salon, n'oseront pas venir me voir yeux dans les yeux. Je vous invite à venir me voir dans chaque salon, yeux dans les yeux. Je vous le dis. Venez. Voilà. Alors là, peut-être que, ouais, il y en a qui vont regarder, qui vont se dire, putain, mais le gilot, on le reconnaît plus, il est débile, il nous fait peur. Mais non. Non, non, c'est simplement pour essayer de faire la part des choses. Il y a 99,9% d'abonnés qui m'apprécie, c'est parfait. Et puis une petite poignée de merdeux qui sont là réellement pour faire chier le monde. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Allez voir ailleurs, allez voir à la télé, allez voir la petite maison dans la prairie, au je ne sais où jouait votre petite Game Boy. Voilà, parce que la plupart, c'est des petits de 12, 13, 14, 15, 16 ans qui ne savent faire que ça. Voilà. Même si il y a des gens qui sont peut-être un peu plus âgés. Alors effectivement, je suis énervé. Effectivement, je suis énervé parce que hier, on m'a invité et je ne vais pas faire de pub ni pour cette web radio. Comme ça, on pourra pas dire ouais Gilo, tu les descends un peu plus. Je ne vais pas citer cette web radio, même si vous jeunes qui me suivez connaissez le nom de cette web radio. Mais les gens qui vont venir écouter la vidéo ne savent pas qui est cette web radio. Voilà. Donc, il y aura pas de pub ni en bien ni en mal pour cette web radio, puisque je ne cite pas le nom. Je ne suis pas con à ce point-là. J'ai pas envie de descendre qui que ce soit. Je remets les pendules à l'heure. Donc, cette web radio m'avait invité seulement tous les jeunes, la plupart qui sont youtubeurs, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de maison à gérer, n'ont pas de papier important, n'ont pas de femme, n'ont pas de boulot à côté. Il y en a quand même, mais ils sont très peu. Moi, j'ai tout ça à gérer. Donc, comment je fais? Quand je prends des rendez-vous pour mes modes relax, quand je prends des rendez-vous pour les modes lover, pour des modes réaction, quand je prends des rendez-vous pour autre chose, parfois, ils ne sont pas honorés. On appelle ça poser un lapin. Effectivement, j'assume. J'ai posé des lapins, mais parce que ma vie privée me rappeler à l'ordre et forcément, comme je dois être partout, un petit peu partout, soit j'oublie, soit je zappe et je m'en rends compte trop tard, ou soit justement je ne peux pas honorer tout simplement donc ce rendez-vous. Donc tous ceux qui passent en mode relax, je suis en train de dériver, hein, tous ceux qui veulent venir en mode relax avec ce gilot qui est Furax, eh bien sachez que il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, si vous êtes prêt à gueuler en disant putain Gilles, j'ai fait un mode relax, j'ai fait un mode réaction, j'ai fait
fait un mode lover avec toi il y a pas longtemps, ou il y a 3 semaines, ou il y a 2 mois, je suis toujours pas passé. Ne venez pas, ne m'écrivez pas. Ne m'écrivez plus en message privé. Ne venez plus me faire chier, tout simplement. Laissez-moi tranquille. Voilà. Ceux qui viendront après avoir vu cette vidéo me réclamer, on répond pas, tu vois. La vie privée revient avec le téléphone. Ceux qui viendront me faire chier pour me réclamer un mode relax, une émission, une interview ou autre, sachez que si vous êtes là pour après me casser les couilles derrière, Gilo, tu m'as pas passé, tu m'as fait ci, tu m'as fait là, eh bien, c'est même pas la peine. Oubliez-moi, allez voir tous les gros youtubeurs qui sont là, ou même les petits qui font du très bon boulot également, ou les moyens, comme vous voulez. Enfin, bref, c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est que voilà, on a pas besoin d'avoir une grande notoriété pour faire du bon boulot. Ça, c'est bien, je l'ai remarqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dorénavant, ceux qui viendront enregistrer un mode relax ou une émission avec moi, si vous n'êtes pas patient, c'est même pas la peine de venir. Parce que je ne vous garantis pas que je vous passerai dans 15 jours, dans les 3 semaines, dans les 4 semaines, dans les 2 mois. Je ne vous garantis rien du tout sur ma chaîne. C'est chez moi, c'est ma chaîne. Donc venez pas faire chier, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si je vous passe 3 mois après, c'est parce que j'ai des raisons. Voilà. J'ai tout simplement des raisons d'ordre privé. Alors prenez ma vie privée, un petit peu avec des enfants à gérer, une famille et tout ça. Et vous verrez que c'est un bordel monstre à gérer également avec une chaîne YouTube. Voilà, voilà le coup de gueule que je voulais faire. Le mode Furax. Et puis aussi pour terminer sur... C'est dommage parce que j'ai dévié et je voulais entamer quelque chose d'important pour cette web radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit hier soir, enfin c'était déjà prévu de longue date, elle m'a dit voilà, est-ce que tu peux venir sur notre web radio qui va être inaugurée, qui nous allons l'ouvrir bientôt. J'aurais dit oui. Je leur ai dit oui, sans, vous voyez, sans même savoir si ça allait être des kikous, si c'est une web radio à la con, si ça allait être bien fait. Donc ça prouve que j'ai un cœur, ça prouve que je suis bon, que je suis gentil, que j'ai un bon fond. Sauf que je vous le répète, je n'ai pas que ça à gérer. Et il se trouve que je n'ai pas pu honorer, je devais faire... Alors, cette émission commençait à 21h. Je devais m'introduire à l'intérieur à 22h jusqu'à 22h30. Je leur ai dit, je pourrais pas plus, une demi-heure. Sauf que, c'était pas possible. Je leur ai dit sur Twitter que je viendrai un quart d'heure, c'est déjà bien, de 21h à 21h15. Je me suis pointé toujours par rapport à ma vie de famille à 21h03, d'accord. Donc ils étaient déjà à l'antenne avec quelqu'un de connu que je salue d'ailleurs, que j'apprécie, que j'adore. Elle se reconnaîtra. Enfin, les gens savent qui c'est et cette biloulette, eh bien, je la respecte car elle fait un travail, un bon boulot également sur sa chaîne ou sur ses chaînes. Et j'adore quand elle chante le jazz, elle le sait, donc si elle veut d'ailleurs que je l'invite, enfin que si elle veut m'inviter dans son émission canapé, il y a aucun problème, j'y vais tout de suite avec plaisir. Tout ça pour dire que cette web radio ne s'est pas comportée en tant que, voilà, un minimum professionnel, c'est-à-dire que à 21h03, j'étais avec eux, ils auraient pu me prendre et dire, bah Gilo, on a déjà entamé avec Biloulette, on continue, on passe un petit morceau de 3 minutes, une musique, et puis on te prend à l'arrache juste derrière, et toi tu fais un petit coucou, voilà, ils auraient pu faire ça sans problème, m'introduire. Combien de web radio m'ont invité, et je leur ai dit, écoutez, mes cocos, moi ça sera à telle heure, vous m'ajoutez quand vous voulez, voilà, et puis boum, ça se fait comme ça. Il faut savoir improviser quand on ouvre une web radio, faut savoir le faire. Vous avez pas su le faire hier. Je me suis connecté sur Skype. J'ai dû envoyer ma femme, mes enfants à l'étage, voilà, qui n'étaient pas contents, hein, et qui pour vous. Et vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, Gilo, on se fera, c'est pas grave, on se fera une émission plus tard. Voilà ce qu'on m'a répondu sur Skype. Boum! Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais furax, j'ai le sang chaud, ça monte tout de suite. Je vous ai supprimé de Skype. J'ai plus rien à faire avec vous sur Twitter. Et puis de là, évidemment, ben moi je me suis lâché. Quand c'est comme ça, je me lâche et j'emmerde ceux qui n'apprécient pas. Je vous emmerde. Voilà, royalement. C'est fait, ce mode Furax est terminé. Je vous dis bye et cassez-vous si vous êtes là pour me casser les couilles. Ciao.